Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour la guidance intemporelle de ce mercredi 4 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc avant de commencer, la petite pensée philosophie de ce matin, adoucir la souffrance. Lorsqu'on souffre ou que l'on est affecté par une grande douleur, eh bien, il faut penser à se mettre du baume au cœur en s'octroyant un petit plaisir. Pour la carte de la forêt de Gaïa, eh bien, j'ai pigé aujourd'hui sorcière. La sorcière, eh bien, elle utilise ses pouvoirs pour infliger des souffrances aux responsables de ses blessures et injustices. En fait, elle incarne la liberté, l'indépendance contre les restrictions sociales. Et elle brise les chaînes de l'oppression en se vengeant de ses ennemis. Vous allez peut-être, ou vous êtes peut-être manipulé. Quelqu'un vous en veut. En tant que messagère, eh bien, cette sorcière vous met en garde contre les personnes néfastes qui essayent de vous manipuler, de prendre le pouvoir. Elle vous invite, eh bien, à être très vigilant, à protéger votre énergie en évitant les personnes, en évitant les lieux ou les comportements qui sont, eh bien, nocifs pour vous, en prenant les bonnes décisions. C'est ainsi que vous devriez pouvoir créer des changements positifs dans votre vie. Maintenant, avez-vous posé votre question? Alors, est-ce que c'est positif ou négatif à la question que vous avez posée? Eh bien, c'est négatif, c'est non. Ce n'est pas positif, malheureusement pour vous. Cette sorcière signale des obstacles ou des énergies discordantes qui entravent la réalisation de l'objet de la question. C'est ainsi que cette sorcière vous incite à travailler sur votre bien-être émotionnel en vous libérant des pensées limitantes et en cherchant des moyens de cultiver des pensées positives et constructives. Vous êtes peut-être dans une problématique émotionnelle, n'est-ce pas? Donc, il y a un travail à faire sur vous. Ne craignez pas d'affirmer votre individualité et soyez fiers de qui vous êtes et ne laissez pas les jugements extérieurs vous décourager. Ayez confiance en vous, en votre petite voix intérieure et peut-être ouvrir les yeux sur cette personne qui ne veut pas du bien. Regardez autour de vous. Vous êtes peut-être manipulé sans le savoir. Cette personne a peut-être pris le pouvoir sans que vous ne vous rendiez compte. Ayez un peu plus de discernement et d'indépendance. Donc voilà, c'est une carte qui vous dit attention, attention. Donc elle vous met en garde et la réponse à votre question, eh bien, elle est négative. Alors, le petit message
de l'oracle des anges gardiens. Ah, lâcher prise. Waouh. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, eh bien, ta vie va se transformer de façon magique. Quel beau message, n'est-ce pas, des anges gardiens. Allez, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Puis d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous embrasse, et je vous dis à demain.